quelques coureurs qui m'a donné envie de faire du vélo. Donc c'est pas un coureur qui a forcément les mêmes qualités que moi, c'est un bon rouleur. Je pense à Fabian Cancellara, voilà, un coup de pédale bestial et donc ça envoie de l'air. Et donc c'est peut-être un coureur qui, même s'il est plus vieux que moi, pas tant que ça, qui m'a donné envie de progresser. Ouais. Quel objectif pour moi cette année? Avant tout, rendre service à l'équipe. Et puis pourquoi pas profiter de certaines occasions pour briller avec ma propre carte. Tu as une course à ton nom? J'ai pas véritablement une course à mon nom, mais j'ai une randonnée à mon nom. Donc ça, c'est le club de mes supporters qui l'organise. Donc c'est surtout un superbe événement pour moi de permettre de faire quelques tours de pédale avec tous ces amis qui me supportent. Donc c'est une fierté et puis ça me donne beaucoup de courage pour l'année à venir. Quel est le plus grand défaut de Romain Guimois? Bordélique, je dirais. Peut-être qu'il ne m'a pas assez côtoyé parce qu'en général, ma valise est plutôt bien rangée. Je ne suis peut-être pas le leader dans cette matière, mais je retrouve mes affaires, je sais où c'est que je les ai posées. Donc voilà, il a peut-être de la graine à prendre encore. Le plus beau maillot que tu aies porté? À l'heure actuelle, peut-être celui que je revais maintenant, quoi. Un beau maillot Direct Energy avec lequel j'espère qu'on va bien faire décoller la saison 2016. La course que je rêve de gagner, déjà participer et terminer un Tour de France, c'est quelque chose dans la carrière d'un coureur qui est important. Ça montre quand même des qualités. Donc lever les bras sur la ligne d'un Tour de France, ça peut être vraiment cool. Qui est mon plus grand fan? Mon plus grand fan, ça peut être bien mon père ou mon grand-père. Dans quel décor rêves-tu de rouler? J'ai quelques qualités de grimpeur, donc la montagne, ça me plaît bien. Voilà, ça nous transporte et on peut, entre guillemets, se sentir pousser des ailes quand la forme est là.